Hey, salut les amis, c'est Jeudi Dream, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un petit live sur Costume Quest. On avait commencé avec un bon petit live, hein, il y a deux semaines plus ou moins, et j'avais envie de le continuer avec vous. Et pour ce faire, pour lire vos commentaires ici sur Twitch, j'ai deux modérateurs de luxe qui sont Darky Sunshine et Poussin. Hello. Salut. Et je vois qu'il y a déjà Jacinthe qui est déjà sur le taquet. Coucou. Je vais hop, mettre en plein écran, comme ça c'est mieux, je vous rassure, le jeu démarré. Parfois j'ai quelques petits bugs avec truc. Et je me rends compte que j'ai pas mis le jeu en fait. J'ai pas mis le jeu. Oh, mais moi quand je dis allez, je vais faire un live. M'a mis le jeu ou pas? Ouais, si, m'a mis le jeu, ça va. Voilà. Quand je me dis que je vais faire un live comme ça à l'improviste, généralement je fais de la merde. Donc voilà, c'est... Je fais de la merde, donc j'espère vraiment que ça va quand même aller. Oups, voilà, c'est mieux comme ça. Hein. C'est bon, il y a le... Je dis la meilleure, waouh, 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 ouais, vous êtes chaud là les loulous là. Ça fait zizir. C'est bon, jeudi on entend nos voix sur Teamspeak. Nice, 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 nice. Donc on va continuer la partie. Costume Quest, je crois qu'on est... Attendez. Ouais, c'est continuer la partie. Costume Quest, place 1. Ouais, c'était ça, je crois. Ouais. Oui, c'était ça. Donc, que je me rappelle, parce que j'ai pas le temps de jouer au jeu entre-temps. Donc on devait, donc c'est un petit MMORPG où on devait faire des petites quêtes. Donc il me manque encore un... Ah, il me manque plein de costumes en fait. Il me manque plein de costumes. J'ai des petites quêtes à faire donc dans la banlieue de la Pinède. Je vais aller chercher Reynold. Je dois réclamer des bonbons dans 19 sur... Enfin dans 20 maisons, j'en ai déjà fait 19. Obtenir des informations sur cette affreuse sorcière qui a volé le costume. Avoir des cartes rares, rapporter la carte bonbon farceur à Glop à Scott pour obtenir une autre carte, collection complète de la banlieue. De toute façon, bon, on va réaliser le but premier qui est d'aller chercher notre frangin. Je pense pas qu'on va faire tous les petits trucs du jeu, donc voilà. Ah voilà, je vois quête terminée. Quête terminée, ok, quête active, ok. Bon. Bon. Est-ce que le son du jeu va pas trop fort? Dites-le moi. Ah, lui, toi, tu... Ok. Non, le son du jeu est très bien. Ok. Ok. Donc, il reste une maison. Je vais essayer de refaire toutes les maisons ici. Donc, là, c'est éteint. Ça veut dire qu'on est déjà passé par là. Ah, 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 ah. Oh! Il y avait des bonbecs à prendre, là. J'avais pas vu. Il y avait des bonbecs à prendre. Là aussi. Donc, je remercie une nouvelle fois mon partenaire de chez GameSpanette qui m'a gentiment offert le jeu. Hein. Pour ceux qui regardent la rediff, bien sûr, bienvenue à J'aime le rire de jeudi. Oh putain, oh j'adore, merci. C'est trop mignon, je vous remercie. Donc, je remercie mon partenaire GameSpanette qui m'a offert le jeu. Donc, pour ceux qui regarderont la rediff, il y a un lien direct si vous désirez acheter le jeu. Il est vraiment pas cher du tout. Franchement, voilà. Petit jeu bien sympathique. Hop, voilà. Ok, ok. Bah, j'ai plein de bonbons, mais. Et ça a rechargé tous les trucs de bonbec? Ça a rechargé tout! Mais c'est cheaté comme truc! Eh, mais c'est complètement cheaté! Ok! Quelqu'un qui dit qu'il savait pas qu'il allait avoir un live, mais pas grave. En fait, tout à l'heure au travail. Oh non, le chat, c'est pas le moment de passer. Oh, c'est pas grave, vous verrez le chat qui passe. Vous allez me voir faire. Avec le... Bon, donc, est-ce qu'au-dessus là de la mère Michel, là, on a fait toutes les baraques? Est-ce que ça allumait là? Ouais, ça. Non, là, c'est éteint, on l'a déjà faite. J'ai envie de mettre des claques à mon pote. On t'en face. On peut même pas le taper, écoute. Écoutez, c'est pas normal.
C'est notre pote, on peut pas le taper, mais à quoi servent les amis, s'il vous plaît, quoi. Je vais me faire frapper, moi, par Poussin que je vais voir vendredi. Non, mais c'était con, hein, c'était pas obligé de rigoler à mes blagues. Hein. Je sais pas qu'on est amis, mais au bout d'un moment, on est plus obligé, tu vois, on est un peu comme un vieux couple, là, toi et moi. Allez. Est-ce que vous entendez bien les voix de Poussin et de Darky quand même dans les... Vous m'entendez, laissez-moi. Vous m'entendez bien, dites dans les commentaires si vous entendez bien. Oh. Coucou Destinus, tu vas bien? Ça me fait plaisir de te voir ici. Donc au niveau du live, en gros, donc cet après-midi, j'étais à mon travail et je papotais un peu avec ma collègue et je dis « Oh, j'ai envie de faire une vidéo en direct » parce que je dis des vidéos en direct pour qu'elles comprennent ce que c'est. Mes collègues sont pas stupides, mais elles sont absolument pas dans l'univers comme moi, dans l'univers geek, gaming comme moi, donc... Elles savent que je fais des vidéos, mais voilà quoi, pas plus que ça. Et enfin, elles ne s'y connaissent pas vraiment, donc voilà. Et je ferais bien ça. Et donc voilà. Là on avait fait. Jody. Ouais. Dis-moi. Justin qui dit qu'on n'entend pas Poussin très fort. Oh. Genre pour monter un peu votre son. Ah ok. Hop. Poupoupoum. Ajuster le volume d'écoute. Ok toi c'est bon. Ajuster le volume d'écoute. Oh Poussin pourtant on... Voilà. On entend bien. Ouais normalement maintenant t'entends bien normalement. Ah bien sûr je remets le jeu au-dessus. Je remets le jeu au-dessus. Voilà c'est mieux comme ça. Voilà. Ah oh là là. Stratchy HD. Oh YOLO, YOLO. Bah moi ça va super bien. Ça va super bien. Je cherche après la dernière baraque que je dois visiter. Parce que je dois visiter 20 maisons dans ce petit jeu. Pour compléter voilà, ma quête. Là j'en ai fait 19 et il m'en reste plus qu'une. Et là au passage je vais piquer des bons becs dans les trucs parce que les bons becs c'est bon les bons becs. Hop. Y'a rien du tout là. Oh là là. Et moi je sens qu'elle va être dure à choper cette dernière maison, moi je vous le dis. Ah ouais non, je te jure Darky, tu rigoles, mais ça va être super chaud à choper hein. Je pense que je m'achèterai le jeu. Ah, il est franchement chouette. Hein. Ben, j'irai sur le site de son partenaire pour. Et franchement, le jeu, je crois qu'il est à 10€, je pense. Donc, il est vraiment pas cher. Il est vraiment pas cher. Et si, franchement, si vous aimez bien d'être vraiment. Enfin, moi, en fait, un truc que j'aime encore bien, c'est que j'aime bien quand c'est les fêtes, d'être dans l'ambiance du truc, en fait. Et ça, si vous êtes dans l'ambiance Halloween, il n'y a rien de mieux que ce petit jeu-là. Franchement. Ah oui, toi, est-ce que j'ai ta carte ou pas, toi, mec, maintenant, ou pas? Je sais plus. Oh mince, je mets des coups de bouclier. Yes! Et voilà, une quête déterminée. Yes, 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 yes. Est-ce que toi, ma petite... Il y a une petite demoiselle dans le parc, on va voir si elle veut bien m'améliorer encore mes trucs. Boyau de citrouille. Bon, allez. Effet bave. Ok, ça repousse les ennemis environnants. Yeah. C'est cool. Bon. Il restait des bons bagues là dans le truc. Et 300 bonbons que ça m'a coûté de son amélioration. Et à terre, est-ce que ça marche bien? Là, c'est bon. La casse-bala, c'est bon aussi. Hop, hop, non. Bon, d'accord, ok. Excusez-moi. Et n'empêche, elles sont trop cool, les décos, hein, des baraques. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui décorent les maisons pour Halloween. Toi, Poussin, tu décores ta chambre pour Halloween, toi, je crois, non? Oui, j'ai deux citrouilles et une guirlande Halloween, en fait. Yo!
Et toi, Darky, tu décores pour Halloween ou pas? Toi, je sais bien que tu fais des costumes et tout, toi. Oui. Ouais. J'ai costumé. Et j'attends de trouver des décorations. Je garde bien le fond d'un petit coffre dans mon garage et j'en achète très souvent d'autres. Parce que j'adore Halloween. Ah. Bon, j'ai l'impression qu'on a fait toutes les maisons dans le coin ici. Ah, je lui mets des tartes au mec. Bon, là. Ah, c'est y'en a chez qui ça marche pas. Faut pas hésiter à faire des refresh, hein. Les gars, si ça marche pas. Parce que moi, ici, tout va bien, en tout cas. J'ai pas de problème. Mais faut que je pense à taper dans les trucs, moi. Non, mais faut que je repense. En fait, dans ce jeu, vous tapez dans tout pour avoir des bombes mecs. Tapez. Bon. Non. Il y a un truc que je me dis, est-ce que la dernière maison, ce serait pas la maison de la sorcière? J'ai un doute. Bon. Je vais repasser par l'autre truc en dessous, là, avec la flotte, là. Je sais même plus où ça nous menait. Ah non, ça menait notre partie, l'autre truc, là, l'autre partie de la ville, je crois que c'était par là qu'on pouvait aller. Je me trompe pas. Il y a même pas de carte ici. Je crois que c'est un des seuls trucs que j'ai à reprocher à ce jeu, c'est qu'il n'y ait pas de petite map pour s'y retrouver. Je reviens juste, il y a juste un petit problème. Attendez, c'est pas de problème. Bon. Here we go. Et on passe. Comme des kings. Ah, on était passé par là, il y avait un coffre, ok. Je sais déjà plus où on est, les gars. Je suis paumé! J'utilise ce micro là, normalement mon bon micro. Pourquoi ils m'entendent mal? Parce que Darky me dit qu'on m'entendait bien. Ici il y a quelqu'un qui dit que tu utilises que la voix était différente. Ah bon, bah pourtant non, normalement c'est mon bon micro qui est activé. Je vais vite regarder. Audio. Non, c'est mon bon micro. Moi, j'entends bien, en tout cas. Non, même Poussin me dit qu'il entend bien, ok, non. Maintenant, si t'as regardé, il y a certaines vidéos où c'est un petit peu buggé, et où c'est mon mauvais micro, le micro de ma webcam qui a été pris en compte. Et à ce moment-là, le micro est pourri. Le micro de ma webcam est pourri, donc... voilà, ici, là, c'est le bon micro que j'utilise en théorie. Maintenant, mon filtre anti-pop n'est pas bien devant. Donc, voilà, c'était peut-être ça. Est-ce que c'est par là, là, le truc, là Hop, là, pas là. Allez, ok, mon bec, ok. Hop, je reprends au passage. Mais en gros, les bonbons, ils respawn, en fait. Les trucs respawn... Ouais, c'est par là. Je crois que c'est par là. Ouais, c'est par là. Bon, on va réessayer d'aller par là, les gars. Voilà, on passe. Je vais pas mouiller mon costume. Partie plus importante en carton. Bah, voilà. Hop. Ok, on en vient par là. Oh non, ça va. On t'entend bien, t'inquiète, jeudi, j'entends bien. Et je sais pas si je suis la seule, mais ma série préférée, c'est le Wedding Beat Challenge. Si tu veux protéger des sons encore plus, rajouter une bonnette sur ton micro. Non, franchement, le micro que j'ai là comme ça me plaît, ça me convient bien.
Je sais pas du tout où est cette baraque qui me reste. Et les sushis, si vous voyez la maison qui me reste, dites-le. Dites-le dans les comms. Enfin, sur le chat. Hein. Moi, j'aime bien le Dreams Legacy. Ah, bah, c'est chouette si vous aimez. Ça fait plaisir. Ah, vous aimez bien Pierrado. Il est mignon, hein. Il est mignon. T'as vu toi le Dreams Legacy, Poussin? J'ai vu quelques épisodes, mais pas tout. Ah, pas bien. Non, mais pas de problème. Mais Pierre a grandi. Oh. Il est devenu ado maintenant. Il est devenu un homme. La saison 2 alors? Non, ado. Ah ouais, c'est vrai. La saison 2, ça sera quand il sera adulte. Et pour tout vous dire, la saison 1 est déjà terminée d'être tournée. C'est finito, le tournage de la saison 1. Et entre temps, entre la saison 2 et la saison 1, vous allez avoir une autre série sur un personnage que vous aimez bien. Et il y en a qui savent, mais voilà, je ne vais pas en lire plus. Ce sera la petite surprise du chef, ça, les amis. Bien, de toute façon, demain, je vais commencer le tournage de cette nouvelle série parce que le truc qu'il y a... C'est que cette nouvelle série va sortir, je pense, mi-novembre, début décembre. Et le truc qu'il y a, c'est que, vous savez, comme certains savent, je travaille dans la vente. Et ça sera une période assez chargée pour moi, donc je serai vraiment obligée de vraiment bien tourner mes épisodes à l'avance, je pense. Donc, voilà. Ah, je confonds tout le temps ces touches. Voilà. Ah, fin novembre, donc c'est le truc de Noël, du coup. Enfin, la période de Noël. Non, non, mais je parle de ma prochaine série des Sims, la Poussin. C'est chargé pour toi à cause de Noël. Oui, oui, bah oui, oui, clairement. Tu sais ce que c'est, Jacinthe, la nouvelle série? Eh ben écoute, ma biche, si tu sais ce que c'est... Dis-le, je t'autorise à le dire. Je l'ai dit, mais il n'y a que ceux du... Il n'y a que ceux de... qui passent sur le TS qui savent, parce que sur le TS, on a déjà parlé un peu avec les sushis qui étaient présents. Bah donne ton idée, Jacinthe, hein. Non, c'est pas... Non, ça c'est Dreams Doll. C'est pas du tout avec Sweetie, ça n'a strictement rien à voir avec les dolls. Strictement rien à voir du tout, ça je vous le dis. Ah, j'ai tellement envie de vous teaser, les gars, j'ai tellement envie de vous teaser, si vous le saviez. Bon. Moi, les gars, je sais ce que je vais faire. Je vais aller en mode boss l'éclair un peu partout. Pour voir où se trouve... Ah, super, des bons becs. Eh, j'avais pas vu ça. Je crois pas qu'on était passé là la fois passée. Je me trompe, les sushis? Je pense pas qu'on était passé dans les jardins, là. Est-ce que je vais enfin avoir accès à la dernière maison? Oh, ça serait tellement bien. Ah, mais qu'est-ce que je fous? Un indice. Ikari, elle a trouvé. Si je vous dis Vocaloid, avec des cheveux bleus et qui a des couettes. Oulala, je crois qu'ils vont s'enflammer dans le chat là d'un coup. Je me fais agresser par une mouchette. Ça c'est fait. Miku! Oui! Ah oui, bah voilà, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai dit là?
On est trois pelés de tondus sur ce live, les amis, aujourd'hui. Et dès que là, je viens de dire le thème de la prochaine série des Sims, là, vous êtes chaud comme la braise. Toi, tu feras les autres au calendrier. Ah, je veux pas tout dire, Poussin. Mes petits secrets, Poussin. Mes petits secrets. Mais je pars. En fait, pourquoi est-ce que j'ai envie de le faire? Tout simplement parce qu'en fait, quand je fais des lives, généralement, sur YouTube, j'ai pas beaucoup de vues sur les rediffs de live. Et... Excusez-moi, là, je suis trop content, là, j'ai trouvé un truc. Yata! Plein de bons becs! Non, 20, c'est tout. Bon. Donc, généralement, j'ai pas beaucoup de vues sur les rediffusions de live. Et le live que j'avais fait avec... où on avait fait Miku, je sais pas si vous vous en rappelez. J'ai eu plein de rediffs, plein de vues, et je me suis dit, mais ça, ils aiment, en fait, les sushis. Ça leur plairait vraiment. Donc, je me dis, allez, maintenant, ça sera un truc très, très cool. Hein. Ça sera un peu comme les aventures de Jody Dream. Ça sera un petit, je vais pas dire bac à sable, mais je vais me fixer des petits objectifs. Je vais pas forcément reprendre la musique comme thème principal, parce que vous l'avez déjà avec Dream's Doll. Mais voilà, qu'on va essayer de collectionner des objets, enfin voilà, on va essayer de faire des trucs chouettes. Pourquoi pas peut-être une Miku policière ou infirmière, enfin je sais pas, ou bien scientifique. On verra. Je verrai franchement, enfin, j'ai vraiment envie de casser un peu, enfin, avoir Miku Hatsune comme héroïne, certes, mais vraiment plus jouer avec le personnage en fait, voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas ce que t'en penses, toi Poussin. Ah ouais. C'est une bonne idée. Ouais. Ouais. La micro-industrie. Ah, je vois que ça vous plaît. Hein. Je dis, serais-tu intéressé que je te crée Sailor Dream? Ça serait une Sims qui serait à ton image, mais en version Sailor. Ce qu'il y a, c'est que... Au niveau de Sailor Moon, dans les Sims, il n'y a pas vraiment de méchants à combattre, en fait. C'est ça, le truc. Donc, Kibo, Miku, passion, technologie. Kibo, si tu veux venir dans le salon live, tu peux, ma belle, hein. Tu peux venir, il n'y a pas de problème. Parce que Darky, je pense qu'il est AFK. Miku, passion, club privé. Ah, c'est fun, on a perdu Kibo. Mais Eh mais je retrouve pas la dernière maison, les gars. Bon, allez, on va essayer de fonctionner bien. On va essayer de fonctionner bien. On va utiliser un peu les roulettes rapides, là. Ah, mais on s'est re-rentré dedans. Oh, purée. Bon. La rue, ici. C'est foncé. C'est foncé. Ici. C'est foncé. C'est foncé. Quand je dis que c'est foncé, c'est que les maisons sont éteintes. Hein. C'est que les lumières à l'intérieur sont éteintes. Et si elles sont éteintes, c'est que... c'est que je suis déjà passée dedans. Donc je fais ça bien, pour aller bien plus, parce que sinon on perd notre temps. Temps de malade. Le parc, au-dessus. Là, c'est éteint. Là, ici, sur le côté, c'est éteint. C'est quoi ce jeu? Ce jeu, c'est Costume Quest. C'est un petit jeu, c'est un petit RPG. Un petit RPG où vous incarnez un enfant qui à la base, était parti pour une soirée d'Halloween. Tout à fait... Ah! Tout à fait basique, mais qui en fait, son frère se fait kidnapper. Tu as reçu 50 moments, yes. Mais qui en fait voit son frère se. Ou sa soeur, ça dépend qui vous incarnez. Se faire kidnapper devant elle, lui ou elle, par une créature. Et donc, vous devez libérer votre frère des griffes de cette immonde créature en réalisant quelques petites quêtes. Moi ici, je devais les trouver. Récolter des bonbons dans 20 maisons et là je cherche la dernière maison, je galère à la trouver. Donc les sushis, s'il y en a qui regardent ce live, qui la voit,
hurlez dans le chat. Hurlez, dites-le moi, parce que là, je galère à la trouver. Hein. Là, je vous jure. Donc ici, on a trouvé ici. Enfin, c'est fait. Ici, c'est éteint également. Là, ici, c'est éteint également. Là aussi. Ah, je suis coincé dans les citrouilles! Regardez, c'est là. Et si je clique là? Si je vais là? Bon, on a vidé toutes les maisons de leurs bonbons, ouvre-toi. Ce n'est pas ce que disent les détecteurs larvins fainéants. Ok. Donc, il reste encore une maison. Oh là là. Pour pouvoir ouvrir la porte de la sorcière. Il y a peut-être que là, là, je peux peut-être demander. Mais je veux demander des bonbons là. C'est chez moi, mais ma mère peut m'enfiler, non? Oh là là là, c'est pas sympa. Hein. Qui regarde le meilleur des pâtissiers? Jeudi, t'as parlé de l'idée que j'avais eue pour ton aventure Sims. Je sais déjà plus, ma belle, de l'idée que tu m'avais parlé. Je suis comme les vieilles, je perds la tête. ici. Là. C'est vidé. Là, on a pris aussi. Mais j'ai toujours l'impression que c'est allumé en fait là, alors que c'est juste les rideaux qui sont blancs. Kibo, viens sur le TS avec nous. Viens sur le TS, le truc live si tu veux. Quel est? Ah, c'est avec le lobby robot. Oui, juste. Comme vous savez, dans Minecraft, j'ai une lovely robot. Hey, mais là, il y a une maison, là, c'est allumé. Oh, joie. Les amis, on a trouvé la dernière baraque. Are you ready? Farce ou bonbon? Dernier combat. Wouhou! On y va. On est chaud, la braise. Et on se transforme en super robot. On est là. Bon. On va se marrer parce que je suis vraiment pas douée avec ça. Bon. Et la petite musique là qui va bien avec. Paf dans ta face! Bam! B. Voilà. Mais genre le mec! J'ai un petit peu atténué les dégâts, ça aurait pu être pire. Bam! Et un de moins! Et hop! Ah! Zut! Et voilà, on n'en parle plus! Deux cartes que j'ai eues! 25 bonbons et 750... Et voilà, les amis! On va aller récupérer notre frangin qui s'est fait kidnapper! Je dis, je te ferai une petite Sailor Dream, ce sera une petite surprise, mais je dois d'abord finir Sailor Fuku. Avant, Sailor Fuku qui est un uniforme marin japonais. Oui! Bon, on a chopé le truc, le... C'est marrant, une dame. J'ai reçu une notification comme de quoi tu joues à un jeu, tout le monde l'a vu. Tout le monde sait à quoi tu joues. Bon, attendez. Parce que d'abord, les amis, on va pas faire le con. On va aller... on va sauvegarder avant, quand même. Je vais essayer de quand même trouver un point de sauvegarde tout près. Ah là, j'ai vu des bons becs. J'ai vu qu'il y avait un truc à mon bec qui était... voilà, on va essayer vite de sauvegarder. Hop. Voilà, je me rends compte de merci. Yes. Non, je comptais pas éteindre de toute façon. J'aime bien le déguisement de robot. Avec le petit boost là. Ça fait du bien ça. Oh les amis, je suis trop heureuse d'avoir trouvé la dernière truc. Parce que là franchement. Bon. Est-ce que vous êtes prêts les amis? On va sauver notre frère. Costume quest. Appuie sur X pour voir. Donc, allez chercher Reynold. Découvrir où les monstres ont amené Reynold. Homme d'information sur cette affreuse sorcière qui a volé mon costume. Retourner à la porte monstrueuse pour voir si on peut passer et trouver Reynold. Bah, j'étais à la porte monstrueuse. Attention, gardez-la.
Oula, ces monstres nous attendent. Si je pouvais passer derrière un de ces monstres, je pourrais lui donner un coup de saut de bonbon. Ok. Ok. On recommence la fight là, les gars. Mais ça devrait aller, je pense. Il est tout seul? J'espère. 3! Oh, sa mère! Oh purée! Et il chipote pas. Et il veut pas. Il rigole pas, les gars. Oh, de base! Oh, c'est bon ça! Yata! Mince. Oh, ça, c'est tout pile. Oh. B. Voilà. Je regarde J'ai quand même parce que j'ai tellement pas le temps de jouer avec une manette. Hop là, dans ta face. Ah, ah, j'ai foiré mon coup là. Ah, mince. Il m'a cramé. Oh, Fred. Fred, c'est pas mon anniversaire aujourd'hui. Je te remercie, chouchou. C'est super gentil, merci. Merci pour ton don. Fred vient me faire un don de 10€. Je te remercie, c'est super gentil. En plus, en plein combat, mais je vais perdre mon combat maintenant. Merci beaucoup, Fred. Merci beaucoup. Allez. Bam. Yes, allez. Oh, mais il reste un. Oh là là, il va me faire mal, il va me faire mal. Je sens que je vais perdre les sushis. Je le sens. Il va mettre encore deux coups. Ah, il a mis son bouclier. Oh, il se soigne, non! Oh là là, ça pue les sushis, je vous le dis, ça pue! Ah ouais, non, ça le protège bien. Hein. Oh ouais, non, voilà, je suis morte. Voilà, il m'a vaincu. Il m'a vaincu. Sniff. Fred a commencé à te payer un salaire. Et non, quand même pas. C'est vrai que Fred me gâte beaucoup. C'est super gentil, je te remercie. Gros bisous à toi. Bon, allez, on va essayer quand même de se le faire, là, le gobelin, là, parce que là, il nous bourre un petit peu le mou, là. Il y a moyen. Allez, des encouragements dans le chat. Des encouragements dans le chat. Bon, déjà, ils prennent tous 12 points de dégâts. Voilà. Un de moins. Voilà. Oh mince! J'ai foiré mon coup! Oh, il soigne son pote, l'autre. Oh, ça pue, mais tellement. Non! Oh, j'ai foiré mon coup. Oh, bon, ok, le dernier mort. Oh non, ça pue. Ça pue, mais tellement fort, les gars. Ah, il a parlé mon coup parce que j'ai appuyé comme une noob. Oh non, il va me battre encore. Oh non, il va me battre encore, je le sens. Oh, plus 37 points de vie, oh, il soigne. Ah, bah vaincu. Par contre, je dis, je viens de manger, moi. Pas de soucis. Donc, je reviens après, si tu continues ton live. Oui, je vais continuer. Je crois que Darky vient de remplir. D'accord, ok, super. Ah. À tantôt. Donc bah oui, ne foire pas ton coup, bah j'essaye, bah oui je galère cette moon comme tu dis. Ce qu'il y a c'est qu'en fait j'ai pas l'habitude de jouer avec une manette. Costume Quest et Rocket League sont les seuls jeux avec lesquels je joue avec des manettes. D'habitude je joue toujours avec des touches dans mon clavier. D'ailleurs je vous montre ma manette, je pense pas vous l'avoir déjà montré. Je crois que vous l'avez juste vu sur Instagram je crois et sur Twitter. C'est une manette Xbox, je la trouve. Je trouve qu'elle est trop swag, je la trouve terrible. Et donc ce cas c'est que vous avez les lettres Xbox et j'ai clairement pas l'habitude en fait. Donc voilà.
Donc on va essayer de se refaire. Oui, Darky. Ouais, je que ça n'était pas là. Voilà. Il y a Seth qui te demande, est-ce qu'il est cool ce petit jeu, c'est celui... Et il te demande si ce jeu, c'est celui que tu vas jouer le 31 octobre. Non, c'est pas celui-là, c'est un autre. C'est un autre. C'est un autre. C'est... Celui que je joue le 31 octobre, c'est... Comment il s'appelle encore? Spooky House of Jumpscare. Oula, il s'est mis un bonus de force, je crois. Ah ouais, ouais, ouais. Oh, oh là 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 là. Non, mais oula, mec, là, tu... Oula, toi, tu... Toi, je t'aime pas, toi. Toi, je t'aime pas. Hop. Bon, il y en a un qui est mort, c'est bien. Ouh là là, là j'ai pris les dégâts de plein fouet. Là ça pue déjà de nouveau pour moi les gars là. Donc c'est un des membres de ton groupe, puis appuie sur... Donc voilà, il est protégé entre guillemets. Voilà, il a protégé son pote. Ok, ok, ça c'est bien ça. Oh purée, comment on l'a éclaté. Oh mais j'aurais dû faire depuis le début. J'aurais tellement dû faire depuis le début. Un barrage de missiles. Oula, il joue pas. Deux points? Oh mais non! Les gars, je... Ah, ça pue. Ça pue, mais tellement... Ça pue, mais tellement fort. À moins que je fasse un gros coup critique, là, maintenant. Bon bah voilà. Je galère. Comme vous voyez, je galère. Non mais attends, ça va être la 4ème ou 5ème fois. Allez, je dis... Oh, je dis père parce qu'elle n'a pas d'encouragement. Oh, Fred qui dit qu'il a pas été au boulanger parce qu'il a la gorge en feu. Mais pour le moment, ça court pour le moment les gros rhumes et tout ça. Moi, j'ai eu un rhume il y a quelques semaines. Maintenant, j'en suis bien sortie, heureusement. Mais je crois qu'il y a quelques épisodes du Dreams Legacy où vous m'entendez un petit peu enrhumé. Voilà. Bon, allez, allez. Maintenant, je vais essayer d'un peu plus. Ce que je vais faire, avec le robot, je vais taper. Et avec le chevalier, je vais protéger le robot. On va faire ça comme ça. On va essayer de la jouer comme ça. On va tester cette strat-là. Bon. Tapeur. Voilà, hop. 2-1. Bouclier magique. Ah oui, non, on peut pas encore le faire. Il faut attendre avant de le faire. Ok. Ah mais il se protège hein, là l'autre. Ok, il s'est mis un bonus de force. Il s'est mis un bonus de force. Et il a soigné son pote. Ok. C'est trop cool là. Bon. Voilà. Bon. Voilà. Un de moins. Bon, ce qu'on va... Oula, ça pue déjà. Ce qu'on va faire, on va tester ça. Ça, c'est bon, ça. Bouclier magique. Voilà, sur notre pote. Voilà. Voilà, bam. Oh, est-ce qu'on aurait de la chance aujourd'hui, les amis? La chance serait-elle avec nous cette fois-ci? La hype aussi. La hype? La hype? Non, je pense pas. Je pense juste que je vais perdre comme une grosse loseuse. Ah non, je suis en venir la défaite, là. Ça m'énerve, ça m'énerve. Eh, mais
mais ils sont imbattables ces mecs. Ah mais c'est quoi ça? Et ils sont forts. J'ai pas mal de cachets à prendre, arrêt de boulot, je dois me reposer ou j'essayerai de le miel, surtout que je dois récupérer une... Surtout que je dois rec un peu demain et peut-être à peine par... Oh là 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 là. Oh, et ben bon courage hein. Ouais, moi la bonne tasse de l'écho. Un truc qui marchait super bien, c'est le mix de miel et de jus de citron. Ça marchait bien. Oh merci pour vos encouragements, c'est super gentil. Parce que et franchement, je sais pas ce qu'il a. Hein. Ils sont imbattables, hein, ceux-là. J'essaye, mais j'adore le Dreams Legacy. Courage, Jody. Le miel d'eucalyptus. Ah, ça je savais pas, ça, Darky. Oui. Mais tu peux parler, Darky, oui. Hein, si tu veux. Le miel d'eucalyptus, c'est juste. Tu connais les mouchoirs en eucalyptus qui débouchent le nez. Les mouchoirs en eucalyptus? Ben, c'est des mouchoirs et des extraits d'eucalyptus, et quand tu te mouches, vu que ça fait une odeur assez forte, ça te débouche le nez en un rien de temps. Ah non, je savais et pas. Et le miel d'eucalyptus, c'est une recette de grand-mère. Tu prends juste une cuillère de miel d'eucalyptus, et c'est-à-dire que c'est très doux, et c'est quand même une huile essentielle d'eucalyptus avec, et ça répare la gorge, et ça te la débouche en un rien de temps. Ok. Bon, les gars, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'essaie de tracer là. Qu'est-ce qui t'a l'épouvantail? Approchez. Vite. Ne t'en attends pas. Qu'est-ce qu'il dit? Enfant de la nuit, approchez. Oui, je suis là. Vite. Ok. Ah, Jody, il y a Kibou qui te demande de parler des lobbies. Oui, oui, donc. Pour les aventures de The Dreams, il va y avoir un nouveau perso qui, je pense, va être en colocation avec ma Sim 7. Ah mince! Bon bah, ok, on s'est fait choper, bon. Donc il va être en colocation avec ma Sim 7, ça sera une lovely robot, comme dans les Sims, comme dans Minecraft. Et, ben, bah, tu vas réussir avec la force des sushis. Et, donc, ben, bah, voilà. Je vais deviner ce qu'elle pourrait faire. Mais j'avais appuyé sur B pourtant. Mais soigne pas ton copain, toi tu me gonfles, salaud. Mais pourquoi tu soignes ton copain? Sérieusement. Oh, mais ils m'embêtent. Regardez, il a déjà plus que 20 points de vie. Ils ont ils sont 3 et ils ont un truc de pété sur moi. Mais c'est quoi ce truc? Bon, déjà en moins, hein. Bouclier magique. Ouais. Sur Rennes, parce que sinon ça va clairement pas aller. J'ai pas envie qu'il clame ce qui nous claque dans les dents là maintenant. Ça serait bien. Ok, nickel. Ah oh, purée, je me suis pris les dégâts de plein fouet. Nickel, bon. Merde! Ah, j'ai failé! Tu peux pas attaquer directement avec elle. Comment? Le chaman. Y'a Kibo qui te demande si tu peux pas attaquer directement le chaman. C'est le plus embêtant. Ouais, peut-être, ouais. Je crois que j'essaye, ouais. Bon, ici, je me suis mis un petit bonus. Bien sûr, si je fais pas gaffe, ça va pas aller. On y est? Wouh! Yes! Ah bah purée! Et je commençais à perdre confiance là, les gars! Oh! Moi, je m'en fous! Je m'en fous! Je vais à la recherche de mon petit frère! Genre tu peux attaquer directement avec elle parce que c'est celui à attaquer direct. Donc il y a la reine des sushis. Merci. Merci les amis, merci. Oula.
Je sais que nous sommes en retard, Dorcilla, la paresse de ces larvins m'exaspère. Surtout celui que j'ai laissé surprendre de dormir sous le bus. Sous le bus ? John, dans 5 minutes, le bus va être chargé. Ensuite, emmène-le au centre commercial l'arrière-saison. Mexel attend là-bas et dit qu'il a trouvé la réserve. Ne traîne pas ou je vais me faire d'utiliser ce bâton pour te rendre encore plus laid. Ouh, wouah ! Dois-je mal le prendre ? Ouais. Oh ! Ils ont chopé mon petit frère ! Oh non, il veut bouffer mon frère ! Bren, s'il me mange, je le dirai à maman. Personne ne mange rien, sauf peut-être ce bon à rien de larbin tout à fait qui va bientôt avaler son mégaphone. En temps normal, je me considère plutôt comme un offensif et consensuel, mais vous mettez une position délicate, je crois que je dois vous montrer mon mauvais côté. Les gars, je crois qu'on a un boss. Ouais. Et on est nul en plus. Et on est nul. Je suis nul, je suis nul. Nuance, je suis nul. Y'a Kibo qui tic avec elle, normalement tu peux sélectionner la cible que tu veux. Attends. Parce que celui-là il rigole pas. Bon. Ouais, je sais bien, j'ai vu. Pas avec elle, même avec le truc là. Je vais viser dans le mégaphone. Je pète son mégaphone. Je vais défoncer son mégaphone. Oh non! Oh ouais, je vais défoncer son mégaphone. Oh purée. Ok. Tu veux la jouer comme ça? On va la jouer comme ça. Bon. Oh, ils sont avec son mégaphone en plus. T'as Jody la meilleure qui te dit un boss contre une boss. Équitable. Un boss contre une boss, tu trouves toi? Je suis pas très doué, hein. Bon. Apparemment, t'as parlé du meilleur pâtissier sur M6. Bah, j'ai juste vu que quelqu'un en parlait et je sais pas ce que c'est du tout parce que j'ai pas M6. Et que c'est pas du tout un truc qui me sent si. Ah, oh, j'ai failli mon coup! J'ai tiré comme une grosse pine! Comme une grosse pine dégueulasse. Yes! In your face, bitch! Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Ouais. Je vais défoncer en vitesse le chaman parce que là... Ouh là 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 là! Non! C'est pas ce que tu crois, mon petit pépère! Mais oui, soigne-toi, du con! Dans ta face! Yes! Vas-y, invoque tes potes, maintenant! Comment tu fais? Ah bah tu peux pas le faire, t'as plus ton mégaphone! Tiens, mange! Mange! Ouh, ça... C'est pas bien! Ah, y'a qui dit que le meilleur pâtissier c'est Masterchef, mais pas faire ce version pâtissier. Non, il a un point de vie! Je l'ai tué? Excuse-moi, j'ai entendu, version Masterchef, version sorcier. Ok, super. Je suis désolée là, les sushis, je suis contente, on l'a fumé du premier coup et j'ai viens de voir que sur Steam j'avais déverrouillé un succès. Ça c'est génial. Hé, le bus qui chope mon petit frère! Yeah! On y est allé. Yes, yes, yes. Je suis tombée sur mon dé. Sur ton dé. Où on est? Au centre commercial à l'arrière saison, je crois. Tu crois que c'est vraiment un centre commercial? On dirait plutôt un donjon. Je suis surentraînée pour les donjons. Mais écoute, ça tombe bien mon pote parce qu'on va bien bouffer à mon avis. Cette partie du centre commercial doit encore être en travaux.
Et regarde, une carte du donjon. Ah, super. Le pain et bigot, c'est forcément là qu'ils vont. Alors, pas de temps à perdre, direction le magasin de bonbons. Ok. Donc, les amis, on sait qu'on doit aller au magasin de bonbons. Je chope un peu tout ce que je trouve. Là, il y a des trucs, ok. Si je clique là, il n'y a pas d'interaction. Est-ce que je sais descendre là? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas moyen. Bon, bah, on va monter alors. Hein. Oh là 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 là. Je voudrais bien descendre dans ce couloir super effrayant, mais mon instinct me dit que je devrais emporter de la lumière. Moi, ça me conseille de suivre mon instinct sur ce coup-là. Donc, appuyez, ok. Donc, nous devons trouver de quoi éclairer le chemin sur le passage au centre commercial. Ok. Ok, 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 ok. Eh, hey, c'est flippant, hein, le centre commercial, là. Et moi, j'irai pas là-dedans, hein. Bon, si c'est pour retrouver mon petit frère... On sait pas passer. Ah ouais, c'est parce qu'il fait sombre. Il y a trop de gravage à protéger ma tête. Ok. À mon avis, je crois que... Oh, regardez. Oh, il y a des petits yeux dans le nord. Je crois que je t'ai dit que j'avais la phobie de l'obscurité. Ok. Toi, mon pote. Hop. Regardez, il y a des petits yeux qui brillent dans le noir. Oula, il y a un gros monstre. Voilà, ok. Tu as Marino qui demande si tu vas faire un live demain. Non, j'ai pas prévu de faire de live demain. Maintenant, c'est vrai que j'avais pas... qu'hier, quand je lui pense, j'ai pas prévu de faire un live aujourd'hui. Mais j'ai envie de dire que non, je pense pas. Je pense pas. De toute façon, faut pas hésiter à vous abonner à Twitter. Parce qu'à Twitter, enfin sur Twitter, vous êtes averti dans. Regardez! C'est le magasin de bonbons. Ah, et il y a Iman qui te demande si tu fais toujours des coloriages relaxants. J'ai un petit peu arrêté parce que j'ai plus trop le temps ces temps-ci, mais. Ok, je dois trouver un nouveau costume. Oui, dis-moi. Il y a Matisse qui te dit peut-être qu'avec la statue de la liberté, tu pourras faire de la lumière. Et hey. Avec la torche de la statue. C'est pas con. On va tester tout de suite les sushis. Et si c'est ça, franchement, c'est Matisse, c'est ça? Matiti 25. Matiti 25. Ok, bon, on va tester ça. Bien sûr. Voilà, hop, je protège. Et on va tester ça tout de suite. Non, j'ai pas de... Non. Non, ça n'a pas de capacité spéciale. Non, ça n'a pas de capacité spéciale. L'idée était bonne. L'idée était même très bonne, je le félicite et je le remercie pour cette super idée, mais c'est pas ça. Parce que je sais pas si vous voyez en haut à droite de votre écran, vous avez, enfin de mon écran, vous avez en gros la capacité spéciale, vous voyez qu'avec le truc de la poubelle je peux protéger ma tête avec quand je suis en chevalier. Tandis que quand je suis en robot, j'ai la capacité spéciale de pouvoir rouler sur des petits patins roulettes qui font que je vais plus vite. Donc, et c'est vrai que la suite de liberté, à la base, je crois que je vais l'avoir juste pour rentrer à une fête, donc voilà. Par contre, je sais plus ce qu'a dit le policier parce que, tu me lisais un commentaire en même temps, je vais juste recliquer pour être sûr de comprendre ce qu'il a dit. Donc, chute, vous allez ruiner ma planque, ok. Enfin, il avait juste dit qu'il fallait peut-être pas s'approcher, si je me souviens bien. Oula, regardez, 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 il est gros, lui. Oulala, c'est parti. C'est parti les sushis, on est parti pour un nouveau combat. Re-coucou poussin. Re-coucou poussin. Oulala, et regardez comme il est gros celui-là. 2-1. Ah, apparemment il y a une pub. Ah, il y a une pub, oh mince. Bon écoute, c'est pas grave hein. Il vous va se coucher apparemment.
Ok, bonne nuit, Makibo. Bien sûr, je me suis bourré de... Mais je crois qu'après ce combat-ci, je mettrai fort au live parce que je voulais faire vraiment quelque chose de court, un petit truc détente, les amis. T'aimes bien l'heure qu'il est Darky? 20h40. Oui, une petite heure de live, c'est bien. De toute façon, je vous rassure, on en fera d'autres. On va... De toute façon, on terminera ce jeu ensemble, je pense, parce que j'aime bien. Oh, oula, ça va. Ah, ouais, c'est vrai, c'est bon, j'avais le bouclier. Et voilà, on l'a eu. Allez, on va un peu continuer encore un petit peu ensemble. J'aimais, ils disent leur. Ouais, j'ai gagné un niveau. Wouh, on a gagné un niveau, les gars. Je regarde par là parce que les commentaires sont de ce côté-là pour moi. Si je, quand je regarde par là, c'est que je lis ce que vous dites. Il y a un mec là. Bonjour. Que dis-tu? Farce ou bonbon? Oh, je m'attendais pas à avoir des enfants avec, avec les travaux. Je n'ai pas de bonbon, mais vous pouvez prendre ce vieux après-ski que j'ai trouvé en nettoyant ma boutique. Merci. Ah, on a trouvé un élément de costume, les gars. Ça, c'est bon, ça. Je sais pas pourquoi ce sera, mais... On se le fait, le gros, là? Ah, peut-être lui. Lui, t'as un élément de costume à donner, toi? Et réveillez-vous! Ah, qu'est-ce que quoi? On fait partie du comité de recyclage. Vous avez des bouteilles pour nous? Vas-y, fais-toi plaisir. Mais ne fais pas trop de bruit, d'accord, les gens qui travaillent ici? Yes! On a encore de quoi? On a des bonbons de nouveau, ok. On se fait plaisir, on pète les sacs pour choper les bons becs. Et toi? Oh, c'est toi, attends, vous. Où est votre équipement de protection? Tenez, prenez cette protection pour éviter de vous blesser, ok? Merci, monsieur, la sécurité avant tout. Yes! Et on a déjà eu 3 trucs. Et on a un nouveau déguisement, les amis! Donc, c'est de loin le costume d'Aquitaine de Gouette le plus réaliste que j'ai jamais vu. Donc, si j'appuie sur B. Ah, il fait de la lumière, celui-là! Oh, il est génial! Oh, il est trop cool! Ah, il est cool! Ah, je kiffe, les amis. Les sushis, je surkiffe ce petit déguisement. On a trouvé le déguisement qui fait de la lumière. Allez, je vais pas me faire les gros monsieur. C'était pas utile. Ouais, mais trop. Oh, j'avais un ami avant, quand j'étais petite. Enfin, un ami, je l'ai toujours, hein, mais... un ami d'enfance s'appelle Raphaël. Cara, si tu vois cette rediff, je te fais un gros bisou, mon Cara. Ah, il faut que je switch entre mes... Voilà. Et je sais plus ce que je veux dire par rapport à ça. Oui, il avait une super épée Star Wars. Elle déchirait tout. On sait pas aller parce que c'est obscur. On va retourner à l'entrée. Je vais rester encore un petit peu avec vous. Ah, tu as Fausti Aurier qui te demande si tu as un costume pour Halloween. Un costume pour Halloween. Ben... honnêtement, pas vraiment. Pas vraiment. Désolée. C'est vrai que j'ai pas l'occasion d'aller chercher des bons becs. Je suis pas vraiment... Enfin, il y a Tigra vraiment... sur le live. Oh ma Tigra, ma chérie! Oh ma chérie! Oh ma chérie! Viens sur le TeamSpeak avec nous, ma Tigra d'amour! Oh mince! J'espère que ça va impressionner ta maman, c'est ça? Bon, bah, on va tester la capacité spéciale du super-héros. On espère que ça va. Ouh! Il a pas l'air gentil, lui! Hop,
avalanche de météores, bam, dans ta face. Y'a Thierry qui te dit que tu seras déguisé en Halloween en maman lapin version zombie. En maman lapin version zombie, y'a peut-être moyen. Oh, oulala, 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 ça pue. Ah bah on a gagné, c'est aussi simple que ça. Ouais. C'est pas con Tigra ma belle. Je sais pas, tu me payes combien. Oui, ça m'a. Je dis pas ça, j'aimerais bien ton article sur la confiance en soi bien écrit avec beaucoup de vérité dans tes mots. Bah, Iman, je te remercie beaucoup. Ça me fait très plaisir ce que tu dis là parce que c'est vrai que. Comme je dis toujours, c'est bien beau de faire des vidéos sur YouTube. J'adore en faire. J'adore, sinon j'en ferai pas. Mais j'estime que c'est. Je sais bien que la majorité des gens qui me suivent sont très jeunes et que. Ah! Et que souvent, ben, on n'a pas confiance en soi, on s'aime pas forcément, et ben, voilà. Je me dis que parfois cet article peut peut-être remonter le moral de certains. Ok, encore un gros méchant. Et ben voilà, si je peux aider mon expérience de vie, ben les autres, voilà. Oh, salut Euromozy! Salut ma bille, ma belle bitch. Ouh là là, ils ont pas l'air sympas ceux-là, les gars. Zbla. Ça, et ça poutre grave, hein. Voilà. Ah mince, je me suis pris les dégâts. Oh non. Oh non, j'étais sur le point d'avoir mon attaque. J'avais mon attaque spéciale qui s'était débloquée. Allez, ça m'énerve. Non, j'ai loupé. Bon bah les gars, c'est mort. Hein. Bah voilà. Bon, c'est pas grave les amis. On va vite se barrer. On est l'occasion de nous barrer. On se barre. On se casse. Hop, j'allume. Hé, du con. Ah, il est là, ça va ici. Le mec, il me suit pas là en mode... Ouais, je vais au loin, c'est cool. Ce jeu-là, sympa, je ne le connaissais pas. Bah écoute, Fred, moi non plus. J'ai découvert via mon partenaire et franchement, il me plaît. Franchement, il me plaît vachement bien. Et j'hésite pas du tout. Enfin, je ne regrette absolument pas son petit cadeau. Oups. Ah, il y a Iman qui t'a écrit un paragraphe. Enfin, un petit paragraphe. Oh, tu sais me le lire? Oui, il n'y a aucun problème. Moi, en tout cas, j'ai 24 ans et c'est vrai que ton article m'a touché car en étant moi-même quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en soi. Oh. Bah écoute, ça me fait plaisir. Je fais. Je dis, il y a Tigra qui vient nous rejoindre. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Ma chérie! C'est bobo, là. Ma chérie! Oh, je t'aime! Désolée, les amis, mais je parle tellement pas à Tigra et ça me fait super plaisir. Ma Tigra, merci. Maintenant, je te le dis de vive voix, merci pour ton petit mot dans ma vidéo anniversaire. Ça m'a fait mais tellement plaisir. Mais franchement, ouais, tellement bah de plaisir. Rien, de rien. t'aurais t'as que moi, je t'aurais chopé, je t'aurais volé un câlin. elle a eu de la chance, Yux, parce que c'est vrai qu'en ce moment, avec mon boulot, c'est pas évident du tout de trouver du temps pour tourner les vidéos. Les vidéos sont toutes tournées en avance et tout. Et à un moment donné, le lundi, je dis putain, là, je vais essayer de faire vite fait la vidéo et tout. Bah, heureusement, parce que par après. C'était plus le moment, quoi. Voilà, oui, clairement. D'ailleurs, les amis, désolé Tigra, mais là, je fais la pub pour toi. Si vous ne connaissez pas Tigra Elfina, faites la recherche Tigra... Darky, tu sais mettre la chaîne de Tigra? Oui, c'est ce que j'allais faire, justement. Nickel, mais quel modérateur de rêve. Mettre la chaîne de Tigra sur le chat. Si vous ne connaissez pas Tigra, je vous... Bah, Tigra, présente ta chaîne, tiens. Voilà, espace pub pour toi. Tu le mérites bien. Allez, zou, fais ta pub. C'est simple, ma chaîne, c'est du gaming, c'est du grand n'importe
Fort Nawak, parce que je dis que des conneries en fait dans les jeux, etc. Je fais du Minecraft, du Sims 4, Animal Crossing, il y aura bientôt Animal Crossing Happy Home en let's play. En let's play complet, parce que j'ai deux versions de Happy Home, une privée et une rien que pour les abonnés. Nice. Et bientôt, à partir du 31 octobre, ma chaîne va être un petit peu plus mature aussi, c'est-à-dire qu'il y aura pour deux genres de public, vous aurez pour les plus jeunes et pour les plus matures, parce que je joue à plusieurs styles de jeux. Super. Il y aura aussi bientôt les avis de Tigra, où justement je donnerai mes avis sur certaines choses, sur certains jeux, etc. Et les Tigra manga, les Tigra Disney. Il y a pas mal de projets qui sont en train de se faire, mais bon, pour le moment, c'est juste le manque de temps. Et je suis contente parce que j'ai atteint les 600 abonnés. Yeah! Ben voilà, les amis. Qui sera le 601e abonné de Tigra, hein, franchement. Bon, franchement, je dis pas ça parce que c'est une de mes meilleures amies. Je dis pas ça. Mais abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous. Tigra, c'est du. C'est de l'amour en barre, voilà. C'est de l'amour en vidéo, c'est... Surtout les vidéos sur Minecraft, quoi. Avec son moi et les creepers, c'est un amour. Et d'ailleurs, je conseille beaucoup. Je vais monter le... Je pense que t'as dû voir le challenge que j'ai inventé sur Minecraft. Qui s'appelle le Animal Crafting Challenge. Où mon but, c'est de créer un village et de faire venir les animaux dans mon village pour les protéger des monstres. Et le premier épisode, il est déjà mais épique. Un gros fail, quoi. Je suis au pays des creepers, en fait. Mais vraiment quoi. Et aussi ils sont tolérés dans ton village. Pas du tout. Mais en fait, je m'énerve contre eux en plus. On veut tous faire des câlins aux creepers, nous. J'ai trouvé la bonne place et tout pour mon village. T'es toute contente et tout. Ouais, j'ai la place pour mon village. La nuit elle tombe. À un moment donné, pour dire, j'ai même vérifié que si j'étais bien en normal quoi. Je me suis dit, putain, mais je suis en hardcore ou en normal? Non, je suis bien en normal. Y'a que des creepers. J'avais rien d'autre que des creepers. Ça, c'est... Donc vous me voyez tout le temps gueuler quoi dans le premier épisode quoi. Ah, il y a un gros dans le noir. Désolé. Mais non, mais il y a un gros monsieur dans le noir, il m'a fait peur. Tu fais Jedi avec ton petit truc là. Tant. Ah. Merde, ben voilà, il m'a fait choper. Et je dis à Et pour le moment, moi je suis en train de faire un gros tri purée dans les téléchargements, etc. Avant de me remettre dessus quoi, parce que ça fait un moment que j'ai abandonné. Et je pense que je me lancerai peut-être au 100 bébés challenge, mais je ne sais pas encore. Oh! Je pense avec ma Raquel, je pense que je ferai le 100 bébés challenge, je rêve encore. Oh! Hop. Oh mais tu vas crever, oui. Non. Oh, le fail. Oh là là. Les gars, c'est pas tip top. Je fail encore et encore et toujours et encore. Il a l'air intéressant ce jeu, franchement. Comment? Il a l'air intéressant ce jeu. Il est super intéressant en fait. Oh, tu vas me dire, j'ai tellement de jeux à faire, moi, purée, en ce moment, sur toutes mes consoles. Pfff. Happy Home, ça me change un petit peu de ce que j'ai d'habitude, en fait. Je dis. Oui, Darky. Le lien de ton partenaire dans le chat. Attends, peut-être, ouais. Je mettrai moi-même, donc, je vous mettrai le lien, à la limite, moi, sur Twitter, après. Ça sera mieux. Oh, purée, il m'a rechopé. Donc je mettrai le lien sur Twitter moi après pour directement voir Costume Quest. Donc si ce jeu vous intéresse éventuellement. Mais non, ils vendent pas que Costume Quest. Ils vendent plein d'autres jeux et ils sont vraiment pas chers. En plus, je sais, pour moi, ils font 4% de réduction sur des jeux de simulation. Donc je sais pas si vous aimez les jeux de simulation. Mais voilà. C'est des bonnes réductions, c'est assez intéressant. Les jeux de simulation et de gestion, c'est bien. Dans l'hôpital et tout, c'est bien. Matiti pose une question, mais bon, toi tu peux pas y répondre quoi. Vous me conseillez à Happy Home? Je peux demander à Tigra. Moi, bah, on me demande qu'est-ce que tu penses de Happy Home, Tigra, etc. J'aime bien, c'est le live de Jody, on pose des questions. Oh, mais y'a pas de problème, ça me va, moi, ça me va, tu peux.
Bah, merde. Si vous regardez déjà la... Je fais aussi de la pub pour Yuxinu, hein. Ah oui, ouais, Yux a aussi fait une vidéo sur son avis à Piome, donc elle a un avis différent. Donc elle, en fait, elle trouve que le jeu est répétitif. C'est vrai que c'est beaucoup de la déco, etc. Mais moi, j'adore la déco, donc je passe limite. Mais vraiment, je peux passer au moins une bonne demi-heure à décorer quelque chose, à refaire, etc. Et il faut dire que le jeu est arrivé au bon moment. C'est celui qui m'a fait oublier un petit peu mes petits tracas en ce moment. Et j'ai passé mes heures dessus, je passe limite une heure par jour dessus, et franchement il est bien. Après, c'est comme je le dis, il faut vraiment vraiment aimer la déco, c'est comme par exemple la maison du style. Deux secondes, Tigrat, tu m'as mis deux secondes? Vas-y. Ouais, j'ai gagné. Excuse-moi. Voilà, je te laisse continuer. Allez, avec la manette. Vas-y, continue, fais la musique. C'est comme maintenant la maison du style, par exemple pour Jody qui est passionnée de mode, etc. Ah, moi j'attends, je me réjouis le mois prochain, moi, franchement. Bah, moi je l'ai aussi réservé, franchement, je l'ai réservé parce que c'est étonnant, hein, mais ce jeu là en fait m'avait beaucoup aidé à prendre, entre guillemets, pas confiance en moi, mais de plus prendre soin de moi en fait, de plus faire gaffe à comment m'habiller, etc. Et tout, c'est pour ça. Darky, est-ce que tu sais juste écouter un coup de live, savoir si nos voix sont bien égales? Ouais. Et le son du jeu par rapport à ma voix, si tu sais écouter ça. Parce que parfois les abonnés, vous êtes adorables, mais vous me dites pas en fait quand on entend pas les modos. Ils m'ont fait le décalage maintenant quand t'es en train de danser sur mon chant. ouais, donc comme dit Apium, il faut être fanat de déco. Faut vraiment être fanat de déco. Et le seul truc que je vous rassure tout de suite, c'est qu'il y en a beaucoup qui se sont dit ouais, les cartes amies. Il y a beaucoup qui quoi ? Nous oblige à jouer. Pas du tout. Vous n'êtes pas du tout obligé de prendre les cartes amiibo, hein. C'est vraiment si vous voulez faire la collection, parce que les habitants, vous allez les voir, il y a juste les spéciaux. Merde. Je suis concentré comme le lait, les amis. Ouais, quoi. Ça, on savait que... Moi, pour Animal Crossing, tu as très bien fait. Il est un peu lassant à la longue, en fait. Il n'est pas aussi bien que Mouli. Enfin, c'est ce que je trouve, quoi. Le seul truc qui est positif, c'est que t'as des bâtiments différents à faire. À part ça, voilà. J'y joue de temps en temps, mais sans plus, quoi. Bon, bah, les amis, on vient de se prendre un gros dégât dans la gueule, on vient de mourir. Jody est trop calme dans sa façon d'être ou son apparence. Merci, c'est super gentil. Hashtag les concentrés. Ah, mais direct, je me fais attaquer là! Je lis vos commentaires et les trucs qui me font violent. Ta gueule, Jody, sois un homme. What the fuck? Oh le fail! J'ai failé! Yeah! Non, c'est le chaman qui est chiant. Bon, les gars, je vais mourir, hein. Je sens que je vais mourir. Je le sens. Les monstres dans le jeu sont de plus en plus chauds, hein. Bah oui. Je pense que ce que je vais faire, on va retourner en arrière et on va se choper des monstres plus faciles. Parce qu'en fait, je vois qu'on a vraiment besoin de prendre des niveaux. Oh, on vient de se faire fumer, mais comme du saumon, là, les gars. Oh, mais cette violence! Bah, peut-être essaye de concentrer toutes tes attaques sur le chaman d'abord, pour éviter. Bah c'est ce que je viens de faire. Voici un super jeu rempli de cris de... Que nous proposons GNM, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ah non, mais direct, il me rattaque. Mais c'est quoi ce truc? Ah mais c'est violent. Bon, il faut vraiment que je fasse gaffe. Je lis plus vos commentaires après ce combat-ci, les gars. Bon, vous voulez pas. Mais
La tigresse a... Je sais pas, elle a bugué. Ah, je pense que Tigre a bugué. Je me disais aussi que c'était pas normal qu'on l'entende plus. Non! Oh non! Mais la bête! Qu'est-ce qu'il me fait, celui-là? Coucou, Tipa. On m'a dégagé. Je crois que t'as eu Noé, t'as eu un petit bug. En fait, je sais pas. Bon, les gars, on se casse. Un petit peu en saccadé, et m'a mis que comme quoi, voilà quoi. Oh non. Laisse chier un peu plus. D'accord, ok. Il y a un gros bug, putain. Oh là là. Ouh là 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 là. Non. Aïe 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 aïe. Mais te soigne pas, du con la joie, purée. Oh mais le mec. Je suis en train de faire des pubs depuis tout à l'heure. Mais il n'envoie pas trop de pubs non plus, hein, parce que les pauvres sushis. Non, mais je sais, mais justement, ce que je viens de dire, c'est pas. Je vais reparler de la vidéo si tu veux voir, si vous voulez voir l'écrit, regardez. Et je dis pour ceux qui sont toujours pas abonnés, si ça m'étonne, j'ai mis le lien de ta chaîne. Ah bah merci! Jamais. Voilà. Oh, mais ce leur a fait que dalle, hein. Et ils s'en battent les couilles de ce que je viens de faire. Tigre a ouais, Tigre a bien encore de bugger. Bon, je vais essayer d'avancer, de courir, les gars. Je vais essayer de courir. J'ai pas les encore de maintenant parce que je vais vraiment essayer de courir. Voilà. Je vais vraiment essayer de battre des plus petits que moi pour essayer de gagner du skill. Enfin, pas du skill, mais du niveau. Parce que là. Et c'est violent, hein. Je vais me faire tourner comme une chaussette, littéralement. Jeudi. Oui, dis-moi. Tu as Jody la meilleure qui te dit ne pleure pas Jody, mais je crois que tu n'es pas très douée. Non, mais non, en fait ce qu'il y a c'est que imaginez on a une barre de vie en vrai à côté de notre gueule. Non mais ce qu'il y a c'est qu'en fait je sais pas si vous voyez en haut à ah oui non vous voyez pas donc il y a quelque chose qui est planqué par ma cam, vous voyez ma tête ici, je sais ce que je vais faire. Vous allez voir. Voilà. Là, vous voyez un truc qui manquait dans le jeu, que vous aviez pas. Maintenant, vous voyez en haut à gauche, vous avez les... Attendez, parce que sinon, je vois plus la petite fenêtre des petits sushis qui s'abonnent. Voilà. Donc, en haut à gauche, vous voyez, J'ai un petit niveau, donc je suis niveau 4 en fait, et donc je peux gagner des niveaux en battant des monstres, mais je pense qu'à mon avis, je devrais peut-être un peu plus en battre pour tout simplement être plus forte. Ça pourrait... Oh, je dis au final. Ouais. Donc je me dis que ça pourrait être pratique. Donc il y avait des monstres un peu moins forts, je pense, tout à l'heure par là. On va essayer d'aller se les faire. Attendez, là il y en a un, on va essayer de le battre. En fin de l'action. Et allez, on y va, on essaye, hein, j'espère. J'espère que ça ira là les gars, parce que là, t'es tout seul? Ça m'arrangerait. Ouais, ils sont que deux. Ils sont que deux, c'est déjà ça. C'est déjà ça. On va battre le grenadier. Voilà. Le grenadier a un petit peu moins de points de vie. Regardez, il faut un petit peu moins de dégâts aussi. Je peux gagner beaucoup d'expérience pour commencer à attaquer les forts. Oh, regardez, le grenadier, on a envie de le défoncer.
Avalanche de météores. Wouh! Bleu. Dead Dreams Meteor. Barrage de missiles. Wouh! Zbleu. Oula, je me prends un coup pour les... rien du tout. Wouhou! Non, vous voyez, en fait, les amis, il fallait juste que j'aille choper des monstres de plus bas niveau, en fait. Juste ça. Un purée. Qu'est-ce qu'il y a, Darky? Tigra perd tout le temps sa connexion. Tigra, oh, mince. Tigra perd tout le temps sa connexion. Bah, Tigra, elle bug toutes les 55 secondes, quoi. Ah, y'a ma Titi qui te demande où est-ce que tu as acheté ta manette, elle est cool. Donc, ma manette, je l'ai achetée chez All for Addict. La boutique à Verviers qui est en partenariat, je l'ai achetée chez eux. Je vais mettre le lien sur Facebook si tu veux. Tu peux mettre le lien, de la page Facebook de All for Addict. Voilà, je vais le faire. Je sais pas si tu vois quel truc c'est, t'as trouvé? Oui, 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 je sais. Je te remercie, Dark, c'est très bien. De rien. Je me suis aussi permis de mettre le lien du TS parce qu'il y en a qui parlaient entre eux. J'aurais dit, si vous voulez parler entre eux, bah, je vous mets le lien du TS. Parce qu'on prendra pas d'abonnés avec nous aujourd'hui. Mais sait-on jamais si... Ah mince, j'ai pas vu qu'il y avait un médecin. J'avais pas fait gaffe que c'était le médecin au milieu. Oh mais... Ouh là là, on se prend des dégâts là les gars. Banche de météore, on y va. Bon bah voilà, ça c'est fait le médecin. Barrage de missiles, wouh. Ça fait mal. Ah ça fait mal là les gars, hein. Vous avez chaud à d'un coup, hein. Dans ta face! Ah, j'ai loupé mon arrêt. C'est pas grave. Et voilà! Mais vous voyez, en fait, il fallait vraiment que j'attaque des monstres qui étaient... enfin, des monstres plutôt dans le jeu. Parce qu'ils étaient, ils étaient vraiment... plus forts que... trop forts pour moi, les autres. Vous voyez, maintenant, ça va déjà mieux. Hein. Là, il y en a un, là. On l'attaque? On l'attaque? Ouais, on va l'attaquer, allez. Tu vas me manger, mais c'est moi qui vais te bouffer, mec, tu vas voir, avec des petits oignons. Bon, ah, y a le chaman et deux mages, ok. Dans ta face. Bam! Oh mais c'est ça, reprendre des points de vie, je te dirai rien mec. Oh mais il le rend plus fort aussi, ça fait pas... Voilà, 2-1. Bon, là ils se rendent plus fort l'un l'autre. Ça pue. Oui, en plus je me gourde dans mes arrêts. Je me gonds dans mes arrêts. Heureusement, maintenant, mon attaque spéciale est chargée. Mon barrage de missiles est chargé. On y va. Plus qu'un. Et je l'ai fait. Hé, mec, c'est pas juste. Ah mince. Bon, là les gars, je viens de failer parce que si j'avais pu contrer cette attaque, j'aurais pu battre le truc. Non, 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 Frosty. Ne dis pas ça, ne dis pas ça, Frosty. Ne dis pas ça, Frosty. Faut pas dire ça. Tigra, tu as fait tous les épisodes juste comme ça?
Qu'est-ce que tu veux dire que Tigra fait toujours des épisodes? Mais Tigra n'est plus avec nous pour le moment. Je pense qu'elle doit parler des épisodes toujours en avance, peut-être. Mais on n'a pas le choix, en fait. Je pense pas qu'elle ait le choix. Ops. Aïe, ah, oh mince, ils viennent de mettre un bouclier sur lui. Ah, oh, ça pue. Bon, on a achevé déjà le chaman. Il y a moyen qu'on les bute, les gars, si on fait gaffe. Mais oh, mec! Bon, de 1. Oh, bon, mince. Là, les gars, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai trop failé, en fait. Là, j'ai trop failé. TeamSpeak 3 est gratuit, hein, je dis la meilleure. Sur PC, il est gratuit. Il y a juste sur Android et tablette que tu dois le payer. Mais sinon, sur PC, il est gratuit. Bon, allez. Dernier combat. Après, je pense qu'on arrêtera le live ici. Donc, on va déjà se concentrer sur le chaman direct. Allez, concentré maintenant. Hein. Concentré. On y va direct. Ah mince, j'ai loupé! Oh, j'aurais pu faire plus gros. J'ai loupé. J'ai appuyé sur E, elle a appuyé sur B. C'est super. Oh, il se rend des points de vie, bien sûr, tu m'étonnes. On se protège un coup. Sur A, voilà, là c'était bon, réussi. Sur B. Et on n'a plus de chaman! Oh mince, j'ai raté mon arrêt. Oh là, ils se renforcent l'un l'autre. Ça pue du boudin. Re-tigra. Re ma belle. Re. Eh ben dis donc. Bah j'ai dû redémarrer carrément le PC, je sais pas, le TeamSpeak me dégageait tout seul. Enfin, j'ai pas compris quoi. Je pense qu'un ma belle que c'était une erreur de. Enfin, un bug de connexion et je viens de louper mon attaque. Enfin pas mon attaque mais mon arrêt. Ça peut non arriver. Bon. Comment vous dire que je suis nulle là maintenant les gars? Vu que t'as mis ta tête, on voit plus la vie des monstres. Oh. Ça recommence direct. Ça recommence direct. Bon. Bon. Je vais essayer de vous la dire, mais bon, dernier combat maintenant, c'est vraiment le dernier parce que je lis vos commentaires dès que j'ai fini le truc en fait, donc c'est pas bien. Donc, donc ils ont tous 105 points de vie. Donc là, je vais attaquer le chaman. Attaque de base. Pouf. B, hop, ça c'est réussi. 60 points de vie, hop. Encore au chaman. Bam. Ouais, en fait, je fais des plus gros, vraiment des plus gros dégâts. Donc, il vient de se renforcer son pote. Il a 9 points de vie sur 105, le chaman. Il vient de se renforcer. Bon, 45 points de vie maintenant, c'est trop cool. Ok, il renforce son pote, ça c'est fait. Voilà. Il reste plus que 2 points de vie au chaman. On va le défoncer. Maintenant! Wouhou! Pas l'attaque, j'ai pas réussi à parer. C'est trop cool. Il renforce son pote. Merci, espèce de couleur. Météore, j'ai du fond du cœur. J'ai débloqué mon attaque météore. On y va. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Bam, plus que 7 points de vie à 1. Barrage de missile. Voilà, déjà un en moins. Il y a moyen, les gars, il y a moyen. J'ai raté mon... J'ai pas pu éviter le truc. C'est pas grave.
Il a plus que 6 points de vie. Non. C'est pas grave, on va le poutrer. C'est pas grave, je m'en fous. M'en fous moi mec, je suis Iron Man. Je suis Iron Man moi. Yes. Ha. Désolé, je vais vous défoncer les oreilles. Tu dis Iron Man quoi et Iron Man 3 est sur M6 quoi. Ah, c'est pas génial ça. Ben voilà les amis, je vais vite trouver un point de sauvegarde. Vite hein. Vite, vite. Avant de me refaire agresser par un nouveau mob hein. Ça m'arrangerait. Il n'y en avait pas un par là? Il y en avait un par là, on va vite aller sauvegarder là. Ouh. Voilà, il y en a un ici. Voilà les amis, on a sauvegardé la partie. On va clôturer ce live ici. Je vais juste... Hop, je vais... quitter le jeu. Quitter le jeu, voilà. Et je vais terminer avec ma tête en tout grand. Non, pas ça. Non, pas ça. Pas ça non plus. Vous voyez toutes les scènes que j'ai préparées, en gros. Voilà, celle-là, voilà. Hop. Donc voilà, on termine ce live avec, avec ma tête en grand. Oula, sainte mère. On voit bien que c'est la fin de journée. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez... J'attends son prochain... Donc le prochain live de prévu est le 31 octobre. Donc à la base j'avais dit que je le ferais à 19h, mais malheureusement mes obligations professionnelles, mon travail de vendeuse de vêtements font que je suis obligée de le décaler un peu plus tard parce que tout simplement je finis à 18h ce jour-là et donc j'aimerais quand même bien avoir un petit peu de temps pour manger, me poser 2 secondes avant de commencer live pour être dans de bonnes dispositions. Donc je pense que je le commencerai vers 20h, 20h30. Vous saurez tout dans une vidéo que je sortirai ce jour-là, donc enfin en journée, donc voilà, vous verrez. Donc, les amis, je vous remercie de m'avoir suivi. Donc, si vous regardez la rediff, vous avez dans la description de la vidéo un lien si jamais le jeu vous intéresse, si vous êtes un petit peu curieux, donc voilà. On fait des gros bisous à Darky, qui a modéré tout comme un chef. Merci. Et on fait des gros bisous à notre ami Tigra. Donc si vous ne connaissez pas, vous cherchez Tigra Elfina sur YouTube. Je mettrai le lien de sa chaîne en description de vidéo. Si je l'ai oublié, dites-le moi parce que je suis tête en l'air. Donc voilà. Il faut qu'il regarde la description aussi des fois. Oh mais généralement quand il vérifie si j'oublie, donc ça va. Est-ce que je dis elle l'a vraiment mis ou pas? Donc voilà, franchement abonnez-vous parce que Tigra c'est juste de l'amour en barre les sushis. Donc voilà, merci d'avoir suivi. Plein de gros bisous à vous et prenez soin de vous. Ciao ciao. Ciao. Ciao.